femmes, les hommes, les jeunes, les vieux, les enfants sont sortis parce que c'est un événement qui leur a permis effectivement de sortir, comme je l'ai indiqué, les inquiétudes qu'ils ont chaque jour. En tout cas, je suis heureux de cet événement et je voudrais remercier également le conseil régional de la Mbitiassa qui a bien voulu associer la commune de Siklinsi à l'organisation de cet événement. En tout cas, je suis heureux pour mes populations et pour moi-même. Je souhaiterais que cette activité de la fédération automobile puisse effectivement faire des émules au sein des autres fédérations et que beaucoup plus d'événements de ce genre, de ce calibre-là, puissent être organisés à Siklinsi pour que effectivement, non seulement Siklinsi puisse avoir la notoriété. On s'amuse, on prend du plaisir. Pour nous, le championnat est déjà joué cette année, donc on est juste venu pour le plaisir et pour faire le spectacle à toutes les populations. On va donner le meilleur de nos voitures. Je suis très content. Malheureusement, hier, on a eu tous les 1000 problèmes. On a cassé au moins 3 pneus qui nous a ralenti. Sinon, vraiment copilotage parfait. J'ai vécu un rêve avec lui. C'était ma toute première fois de faire un rallye de nuit que je craignais, mais tout s'est bien passé comme j'ai reçu des roulettes. Je n'ai même pas les mots parce que je n'aurais jamais imaginé que aussi rapidement, j'allais en tout cas rentrer dans une petite bataille avec mon mentor d'ailleurs, avec Gary Shins, qui m'a beaucoup appris. Roland Kouassi-Lenoir, d'Alex, Barbarie,
bon, qui ont cassé, c'est dommage. Mais bon, après, c'est le rallye, hein, c'est ça. Hein. Numéro 6, Claude Maquet, Jean-Jacques Ataïe. Claude Maquet, l'homme arrive impérial, imperturbable, sur les pistes. Il est intenable. Photo avec, monsieur le ministre. Il a couru
en 1h41 minutes 0 secondes sur la Mitsubishi Evolution 7. Lui, c'est Malik Gaye et son copilote Nicolas Kebumbo. Monsieur le ministre, c'est un pilote de Yamoussoukro, il représente la région du Bélier. Il est en train de démontrer toute sa puissance de feu. Big Malik. Merci Malik. Merci Malik. Se prépare à venir le vainqueur de l'Agnébi. Classa Rallye 2022. Maintenant, mesdames et messieurs, le grand patron de cette piste, l'inusable, imprévisible, Karim Chapelet, son copilote. Bravo, messieurs. Ces hommes sont intenables. Dans la Yébitiassa, monsieur le ministre, ce garçon a gagné toutes les compétitions sur la saison sportive 2022 de la Fédération Ivoirienne de Sport Automobile. En passant de Gagnoua à Bambanou dans le Morenou, Bassam, Abidjan, Gabou, il a gagné toutes les compétitions. Gary Chens, champion de Côte d'Ivoire à toutes catégories. Donné par le ministre de la Santé, Pierre Demba, pour leur bravo et leur courage. C'est un prix spécial, équipage 100% féminin. Carole René, Yaren Kwasi Lenoir, recevez-les maintenant. Mesdames, messieurs, l'équipage féminin, Carole René, Yaren Kwasi Lenoir. Merci monsieur le ministre. Restez là avec le ministre pour prendre ce prix. Yaren, elle est toute intimidée, mais c'est une grande boussole parce qu'elle a les yeux et la tête pour indiquer le chemin à suivre et ça donne ce que ça donne. Merci Yaren pour le travail. Merci Carole pour la maestria. Mais d'abord je voudrais donc profiter de votre micro pour remercier donc la Fédération du sport automobile de Côte d'Ivoire qui a bien voulu s'associer à la région de la Guébitiassa et le ministère de la Santé pour cette édition. Je pense que ça a été une très belle fête. D'abord, c'était très disputé. J'ai vu vraiment des grands professionnels qui se sont donnés à cœur joie donc, dans cette compétition. Et à la fin, donc, c'est le meilleur qui a gagné. Mais l'espoir avec l'équipe féminine donc montre que dans l'avenir, on aura vraiment un grand championnat en Côte d'Ivoire. Alors pour notre région, vraiment les retombées de cette compétition sont nombreuses. Parce que d'abord, vous voyez l'affluence qu'il y a eu, que ce soit ici à Beauville et à Sikensi. Mais également, on a vu vraiment des athlètes qu'on n'a pas l'habitude de voir parce qu'on entend leur nom et on les a vus grâce à cette édition. Et puis, bon, ben, sur le plan économique, je pense que c'est quand même, les années à venir, c'est une opportunité qui va faire venir beaucoup de monde ici à cette même période. Ce que je peux dire, c'est que ce partenariat que nous commençons va vraiment se pérenniser et se renforcer parce que nous comptons avec les autres collectivités faire en sorte que l'édition du rallye dans la Guébitiassa soit vraiment quelque chose donc, qui se renforce et qui soit vraiment reconnu au niveau national et international. Tout le monde lève la main. Rallye à Guébitiassa 2022.